RDC, Rwanda, Léonie alerte sur le risque d'une confrontation directe et appelle ces deux pays au dialogue. Bosu libakwa kolanda biso partout à travers le monde. Mbote ba kongomani tozali pona Congo. Mbote na bayi kongomani bazola na biso libanda tona kati ya mboka bandeko balandi. Oyo ya internet pe ya télévision mbote na bino bon son tozali bongo on dirait Bantania Congo Buzz, la télévision guerre entre autorité il y a Kinshasa, il y a suspension, il y a activité, il y a assemblée provinciale, VPM intérieur, Peter Kazania, Koutanaki, Lobie, le Kina Bakambi, ville province à Kinshasa, gouverneur y a ville, vice-gouverneur y a ville, président de l'assemblée provinciale, pe Baike Moussous, mais il faut dire que beaucoup Tanyuana Penza et Soukaki, Malamou Mingite, en quai de poisson, Balobarana Lopoto, mais qu'est-ce qui est à la base, il y a crise, au moins je dirais même à la limite très ridicule. Na Motu, il y a ville, province à Kinshasa. Nous allons en parler au cours de cette émission. Problématique sur la candidature commune de l'opposition. Nous savons tous que nous allons au tout droit vers les élections. Il y a 2023, mais qu'est-ce qui se passe à l'opposition? Est-ce vrai que l'opposition est divisée? Est-ce vrai que infiltré basé dans la carte opposition d'Engézou, dans mon opinion, est-ce vrai que politique ça livre vraiment colling et la matière? Pendant ma pronomie, oui, Tikali Karatolo, deux mois, 61 jours, je peux dire ça comme ça, pour que tout s'est présenté dans la urne. Qu'est-ce qui se passe au sein? Il y a opposition, tout le Bela Congo, Natongo Alelo, Tozabongo, Nandeko Joseph Menza, Mwalamboka, Azali, il y a eu de peste, Naye Tobe Tamasolo, Matali, Bongo, Repumokati du Congo, Ndeko de Jacques Orajan Drobusso, sur ces plateaux, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Pourquoi? Congomani au bazar et qu'au bazar qu'on s'est livré na bah Arthur est allé vraiment malam au milieu de moi en bocambo t'es pas beau là Mbote la grande maman Naomi, merci pour l'invitation. La petite Mbote la Congolais soit à Kinshasa, ya Congo mobimba peu à diaspora pour na émission où il permet à la Congolais baye ba maïezo les kanakati en bocana bango. La petite peu déjà Mbote na ba co-débatteur nous sommes aux arts na plateau. Surtout mon ami et frère de tous les temps, de tous les jours, Eric Chiswaka. Ah, très bien, merci beaucoup, mon ami Katoza. Na Ndeko, Serge, mon ami Boka, il y a SID, Moko, il y a Bayi Kongomani, Azali, Nakati, il y a parti politique cher, il y a Ndeko, Martin Fayoulou, Madidi, Ndeko, qui déjà qu'on rejoindra Bicho sur ces plateaux, Porto Solamayi, Matali, République du Congo, Ndeko, Pasteur Serge, Ndena Messana, Obengayo, malgré qu'il y a les églises. Bonjour et bienvenue. Bonjour la grande dame. C'est juste une expression d'estime et de considération par rapport à Moussa Lozakosala. C'est pourquoi biso ça a déjà les lotes de tous bien grande dame au Kobaka baka kosala Moussa na yona imemia na komiki tsana bomporo nyonso neto ba na lingala tebe kenkolo akweba ko sungana makambo za liko sala permettre ngana remercier Nzambe. C'est grâce à lui que nous sommes là, c'est lui qui donne la force, le souffle, la capacité de se mouvoir. Raison pour laquelle on est présent aujourd'hui, na PCIP, co-débatteur Nangaï, Bobazon Nangambo, ya Bayiniamboka, Obazali Kobundisamboka, qui est dans le Bosso, tout le monde. Mais côté de l'histoire. Non. Même ça attaque on dit Mayangote. Donc, on a PCIP, on a Soubako Baksamassima, et surtout pour la Koso qui ça, on a compagnon de l'IT, on a Soubali Kobunda, pour que lobby na Basanza Miki, Tikalia, on a tout quoi, on a parenthèse, on a Mawa, on a Soni Tozanango, et commandant du peuple, on a Zali, Azwaki, majorité à la voix congolais na 2018 tout renouveler confiance et pas naé yango kende ko pesa bande ko nangambo ya kwilo azasi ko na Congo central mbote. Je crois tous ali ko bunda ensemble te bien que il est vrai, je crois que nous allons gagner d'ici là. Merci beaucoup. Dit, selon information, mais on apprend que popularité kiti wana isa information de Juin Abaïmboka, fallait de popularité, ça a sous-souté, ça a sous-souté, fallait lui en 2018. Est-ce qu'il y a solo Torokuta?
Bon, on a dit que vous avez une grande dame. Mais si vous avez tant d'informations, vous avez des gens qui ont été bien. Vous avez des gens qui ont été vraiment bien. Vous avez des gens qui ont été bien. Vous avez des gens qui ont été bien. Mais il y a une différence. C'est que vous avez des gens qui ont été sociologie politique, un leader charismatique. Moni lokola ba papa na biso ba Lumumba bazalaki ba Kizenga ba Etienne Tshisekedi, c'est-à-dire avant de on a tapé si ba tombongo po ba ya ko vandela. Donc vous comparez Fayulu à Lumumba. Bon, soko lingito bon ça débat to sala yango. Moni Lumumba o tozana respect na ye, ayeli susu munene makasi nda après mort na ye. Mais Lumumba va 58 ayibana kite. Avant 1958 ayibana kite. La sali lite atango muke et amati. Mais juste après l'Iwanaye, tant aussi tout tant Kufi Babomie, ne mouki mobimba, ne zala na Europe, partout dans le monde, ba moni ki c'est un homme qui au azala qui ni alors. Ezala ba kimbango, ezala ba tonyonso na oti ko tanga awa, ezala ba malula, baza bato ba boti bango, lokola epe ba botaki, mais peuple a kozo kumisa mu munene par rapport na kumba na litu baza ko sa. Alors ndenge to kana li kambo monko pe pakala. Eh ndenge to tikali lokola ndenge to tikali bo, celui qui est en face de toi c'est un homme de Dieu. Ça dit tiens na makanisi non ki na koki ko ya jamais kokosa. Ça dit tozali na homme politique na minute oyo. Oyo azali bon na lobite ka zali seul. Mais au azali produit consommable, crédible. Ça doit looker à côté nyonso, oh, moralité, oh, intellectualisme, oh, bah, valeur. Naza Kolobango avec beaucoup d'humilité, naibi que même la majorité des Congolais sont des chrétiens. Na expérience y a vie naza nango, na oumé na makambo anzambe, basa nanzambe na samina beglise emne, lokolo ba betel, ainsi de suite, okolo permettre la madame. Donc, ceux qui nakouta na basali, même anzambe, mitano, c'est-à-dire, j'ai dit ici 5, au bazali crédible, Fayulu a cause. Ceux qui a baza 5, Fayulu a zana 4. Okay, c'est vraiment asa parle pour la bise photo batte là un produit consommable. Merci beaucoup Mwanamboka ndeko tozali bon la ndeko Eric Tshisoaka Mwanamboka ya lisanga FDCA ndeko ko déjà ko région babiso. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Maman Naomi, na pesa mbote na mon compagnon de lite Joseph Mbenza. À chaque moment sur un plateau avec lui, je tiens aussi à saluer monsieur Serge. Oui, c'est idée. Oui, lui, c'est bien sûr qu'en sociologie politique, il existe un charisme politique. Bon, on a Kamuyango. Voilà, je crois qu'on va faire un débat réfléchi. Na moni ba thématique avancée. Na moni pe Martin Fayou la outi kosa la vraiment plein. Na moni pe plein makasi. Na moni plein makasi pe na boma. Je ne sais pas ceux qui battent nous, bazar comprendre. Bazar loba. Il s'est dit qu'il était le seul et le meilleur candidat de l'opposition. En fait, c'est que j'ai, ça m'a étonné. Oui, bi, na vie, faut que vous soyez reconnaissant. Hein, même lorsqu'on t'a poussé par les autres, faut vraiment être reconnaissant. En 2018, Fayulu popularité Azwaki a roué pas Babemba et pas Bakatumbi et les autres leaders de l'opposition qui l'ont poussé à avancer. Et tous nous reconnaissons cela. Qui l'ont poussé à avancer. Il était aussi le candidat de l'Union européenne. Ça, il faut vraiment le dire. Un candidat cartouche à l'Union européenne. Lelo, il a perdu ses leaderships-là, notoriété, wana si Fokolo Bayango. Alors, la chose qui m'étonne, bah, ça poser une question, ce qui faut bah, s'engager, bah, écoute, bah, doit trouver un candidat comme en opposition. Il prétend être la personne dans la moralité que les Kabasset qui connaissent. C'est dans l'introduction, dans la vie, c'est ça, moi, maintenant, que les Kabasset qui connaissent, que les Kamuzito, que tous les autres leaders de l'opposition. Les autres leaders de l'opposition que je sais, il y a aussi des intelligences qui sont à Katsouane et qui demandent, qui exigent que Batounion soit dans la Simanaye. Je suis très choqué et là, je reviens ici à confirmer les propos de la mère Mende. Une souris naine enfantée à Genève aujourd'hui, c'est, je crois, plus grand que les autres candidats de l'opposition. Mais je sais qu'il est très faible et je l'avais dit, je crois, encore une fois dans le plateau Nayo, aux élections qui seront organisées le 20 décembre, Awa, pour retenir Angou Martin Fayou, là, vous n'allez même pas dixième la liste. Ah bon? Je vous l'affirme, je vous l'ai confirme. Mais Martin Fayou, il faut le reconnaître, il incarne aujourd'hui l'opposition en RDC. Si on parle d'opposant, on voit Martin Fayou. Je connais mieux Martin Fayou peut-être que M. Serge qui est ici. Moi, j'étais de la dynamique de l'opposition. Moi, Eric Tshisoaka, j'étais de la dynamique de l'opposition. Lorsqu'il y avait des Claudel Oubaya, il y avait les F. Bazaïba, je maîtrise M. Martin Fayou, je les connais. Il n'a ni crédibilité, ni éthique, ni déontologie politique. Et c'est quelqu'un qui n'écoute personne, ni les charismes d'Étienne Tshisekedi. S'il avait les charismes d'Étienne Tshisekedi, Étienne Aboya qui participait à l'élection en 2006, à l'habitant de Kendete, à Tshisekedi précis et concis, à Kendate.
Mais yé, au hasard, basé la moralité, crédibilité, etc. ABC Batuba qui est une élection T. Il n'est pas Azali prêt à aucun été. Automatiquement, il change, il participe aux élections. Tantôt, la participation à l'élection, Azali joue même carte, il y a dialogue. Il y a qu'au manager, qu'au look à dialogue. Donc, c'est quelqu'un qui n'est. Sa position est connue. Le plus faible de tous les acteurs politiques, même Kikou nous a remonté dans l'élection, il y a aussi les Mawa. Arrosala au-dessus à Martin Fayulu. Oh là là. Je voulais dire, puisqu'on connaît, il va perdre sa crédibilité. Le moins crédibilité, mon qui a tiré, il n'a pas pour perdre un mot. Et pourquoi? Puisque, comment? Soyons très clairs, Maman Naomi. Vous hypothéquez la vie des vos cadres. Lélo, M. Serge, à quoi vous êtes un candidat de député? Lélo, non, mais. Il est tenté de s'apprendre à Molly de moi. C'était juste un propos. Mais il était à couper sa voix. Alors, soit mettez ça de ce sujet. Et ça, la carte, il y a pas de sujet. Et ça, la vous le laissez après lorsque vous allez donner la parole après pour le moment qui aura passé l'état. Il m'a attaqué. Pour attaquer mon leader, je suis là. Oh, mettez ça sur la table qu'on puisse discuter point par point. Je pense que il a attaqué Mbenza. Il nous a attaqué. Nous tous, il nous a attaqué de l'Union sacrée. Il nous a attaqué de l'Union sacrée. Maintenant, moi qui ai de l'Union sacrée, quand j'ai récalé. Je suis d'accord avec vous, je demande seulement madame qui puisse se mettre ça sur la table pour discuter. Ali, pasteur. Un pasteur qui nous a attaqué des démons, n'est-ce pas, M. Tozan Akan, un diable. Un pasteur qui dit que lui, il y a lui qui a cause à côté. Mais je vous mets dans l'oignon, c'est bambou, et chole, tout ça. On peut pas serviteur de Dieu. Ils sont dans une politique mensongère, mentir. Merci beaucoup, Ndekoti Swakap. Ils sont en train de tomber avec des telles personnes autour de cette table. Merci beaucoup, Ndekoti Swakap. Ndeko, Nathanaël Omokenda, Zanabiso, sur ces plateaux, Ndeko, piste pour l'émergence, puisque nous parlons de l'homme, celui qui est à l'opposition, je ne sais pas, opposition, majorité, Ndeko Sed Kikoun ou Azamo Kwa candidat, Ndeko, vous pouvez déjà rejoindre Bisso, Molambo Kanatanaël, Ozali, pour soutenir candidature, il y a Molambo Kassed Kikoun, bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Naomi, n'a habité dans Salaonini, Kombo Nangez a massacré chaque jour, Hermoro Omotonda, Hermoko Notonda, c'est Onokomba. Onokonda. Onokomba. Komba, ok, ouais. Ok, toutes mes excuses, Molambo Kassed. Étant donné que ils ont un combo moro très original. Alors, je suis un débatteur en Angan, de Kouiriti Swaka, Maître Bonza, et puis Pasteur Benza, Messie Mbenza, ok, Messie Mbenza, et puis l'unique pasteur sur le plateau. Alors, on a pensé que je suis un combo moro, 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 je suis un ba congolais oyo wapi ba kosa bango marambo ebele kasi ba réalisate na ba congolais o bazozela avare et tongama na mbandaka ba congolais o bakoza suna posa visate na ba bazoza suna posa visate na na ba province ba province bango ko mapoto ba kongomani o wapi ba suis déjà misala na usine ya Pepsi o etongami na na Maluku ba kongomani o bazwa misala na garage où est ton gamin à limité, n'a pas si bon, on y a son beauté, n'a pas été le débat aux alabongo constructif. Oui, n'a pas été ma casse, hein? T'es n'a pas si de beauté, n'a pas congolais en agnon son, n'a pas besoin, mis ça dans la garage à limité à Mercedes, n'a pas si bon beauté, n'a pas si peu beauté, n'a pas mon y a son, comment on va se rendre à Bissot? Alors, sans plus tarder, en tout cas, ils ont un mot le mot quand on a un alo, n'a pas un alo, bah, à mouquet, avant tout, le vraiment si j'ai zaka, n'a pas un alo, n'a pas un Moutou Oyo, na moni opposition 2018, na moni opposition à Delo. Et puis, ce n'est pas ça pour rassurer le peuple congolais que candidature est à la commune. En bon? Voilà, candidature est à la commune. Peuple, pour que le Bela Mala, moi, tu es négocié, tu es un quota, tu es raté. Aza soit la majorité, soit tu es négocié, tu es en opposition depuis Abanda. Ok. Aza la ni transima, a changé à te. Aza la vision, a copié vision à Moutote. Aza est l'ingé, a na et moni, c'est le nom à Kamouné et Moussous. Donc il y a un moni lit na biso ils a tout au bas potentiel au tous en opposition bas profil où ils en opposition parce que biso de tous les hommes qui reconnaissent chacune des personnes par ses valeurs ne tout moni bas profil y a ndeko matata tout moni profil y a ndeko sesanga tout moni profil y a ndeko katumbi profil y a ndeko set kikuni profil y a ndeko fayulu profil y a maman marie foku tout au sangi sana bangonyo sa tout moni nani Azali na profil o esengi po na mboka na biso a soutenir biso po photo e ba to to bosana te tozo bundela nani tozo bunda po na nini pe to lingi tozo nini biso to linga to libérer mboka na biso na bato baza di bon di mauvais côté de l'histoire. Alors pour se faire il faut to bimisa profil moko ya kitoko ya wana moni biso toza or ba polémique
Vous allez voir, cette Kikuni n'attaque personne, ne parle à personne du mal. Tout ça, l'approche moro consensuelle, pour tout vendre, c'est bande de gognons, on a mis ça, peut tout ça, si tout quoi aboutir. Nous apprenons que discussion est banale qui discrètement, pour l'opposition, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous attendez par discrètement? Mais c'est ça, Kikuni l'a lancé officiellement. Donc on l'a déposé une candidature, on l'a dit officiellement. Et puis nous avons, j'ai encore affirmé sur votre plateau que nous allons faire de tout notre mieux pour sauver cette génération. Et pour sauver cette génération, on va mettre tous ces vieux autour du table pour sortir un profil au ekoki, au ebongi. Pour que tout ça est la politique pour Nabiso Mongote, tout ça pour la génération à venir. Donc ce n'est pas discrètement. Nous avons lancé cet appel et nous allons aboutir à ce que nous avons lancé comme appel. Très bien, merci beaucoup. Bandeko, bande la bataille qui bino pe bosa li banda mboka. Bandeko mora komi ce qui crise les alliés, eza président RDC. Ben, moi je parle de Kinshasa et pour une fois je suis pas d'accord avec vous que eza président de Amemi crise na Kinshasa, parce que je dirais que avant bandeko msubalo ba eza même population de Amemi crise. Comment? Oui, eza population, population de PCI biso ba député bazan ensemble provincial. Bango ba pesi biso ba kondi a ville a Kinshasa, ba mimi désordre lelo, je suis désolé. Et sa population de sali maram nyonso, et pesi biso ba to, on na koye kolo ba, mou msu soute, komi nan a problème, et puis, et sa la compliqué. Ndeko, Joseph Mbenza, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Merci pour la question. Je me rends compte que de plus en plus, na komi komi tout na, il faut que l'anthropologue, le sociologue, une étude approfondie pour nous soumettre à l'opposition. Moi qui vais monter un peu. Comment ça? Analyse parce qu'on dirait que ça affecté psychologiquement, psychiquement et puis affectivement. La frustration est créée, tendance négationniste. C'est-à-dire tout c'est de la négation. Ça devient un problème de société, ça devient une maladie qu'il faut traiter. Comment toi tu viens analyser, tu parles de garage. Comment toi tu viens analyser, tu parles de... C'est-à-dire, je suis perdu avec, quand je rencontre souvent Batouya opposition. Hein? Ce n'est pas ça. On a besoin, les gens ont besoin des analyses, où est-ce qu'on s'en a bango dans l'élection, par rapport à la question, congolais, nyonso, quinoise et quinois. Voter pour éviter ça. C'est ça la thématique. Il y a un moment, la première prise de parole, je me suis tué parce que n'y a pas de thématique, je m'étais préparé. Bravo à mon frère Eric, comme d'habitude, un homme avec une dextérité élevée. Il a recadré le pasteur. Ici, ce n'est pas une question d'église ici. Hein? Ici, c'est la politique. L'église, là-bas, là où tu vas avoir des offrandes et les dîmes. Ici, je suis devant un acteur politique qui est du côté du mensonge. Donc ça, c'est la manifestation totale du mensonge. Parce que son Abina Tchaki pasteur, il risque de rater le royaume de ceux. Je ne suis pas juge pour le juger. Parce qu'il ment ici. Bon, toke na maramnabouna kota la ba considération, on se connaît bien. Madame, Monsieur Godempoy, Nakutu Jantini Ngobila, parce que on doit créer problème dans la ville province à Kinshasa, il s'appelle Godempoy. Pourquoi? Un pasteur en plus. Pourquoi? Nzambe. Ça, ce sont des problèmes avec nos pasteurs qu'on a dans ces pays. Normalement, un pasteur, c'est un moralisateur de la société. Un pasteur devait être un éclaireur de la société. Là où il y a le mal, lui, il prêche le bien. Là où les gens se sont égarés comme Martin Fayoulou, les pasteurs devaient les accompagner pour qu'elles aient un ananzela. Mais imaginez, madame, monsieur Godempoy, pasteur de son état, professeur de surcroît, au cadre dans une administration, il y a gestion, il y a Bambongo à l'état, qui a eu à faire une carrière, il y a Malamou. Nous avions cru qu'après l'épisode, il y a Kimbuta, après l'épisode à Rogentingi, nous aurons à la tête de l'Assemblée délibérante un homme avec une carrure au hasard capable de dire au gouverneur non. Parce que, selon Mibeko, Godempoy aza likolo ya monsieur Ngobila. Assemblée provinciale aza likolo ya exécutif provincial. C'est le baron Nangwezali, hein, à part que légiféré, que ça l'a dit, aza pe contrôle parlementaire. Maintenant, le monsieur est venu, il s'est fourvoyé dans des histoires de Jantini Ngobila.
Il est devenu garçon de course de M. Gentil Nkobila. À telle enseigne même que Yendim Taibisa Batounio, ce que depuis Kinshasa à Kinshasa, on n'a jamais eu un meilleur gouverneur comme Gentil Nkobila. C'est lui qui nous l'a dit. Bakinwa pe bayoka, bakanga. Mais volte-face Oyo et outil Wapi. Étant donné que toutes les périodes, toutes les années, Oyo rigueur fallait outre en assemblée provinciale, sous son impulsion, pour encore rappeler M. Nkobila l'ordre, lui, il n'a pas fait, il était complaisant. Il a laissé faire Kinbopeto. L'insécurité. Le transport en commun dans la ville province de Kinshasa. Ce sont des gens. Et puis, tous ceux qui attaquaient Gentil Nkobila, dans Soukanango Bando attaquaient IDPS. Allez voir dans tous les médias. Parce que IDPS a 12 députés, mais on n'attaquait pas la CP, on attaquait UDPS. Mais nous n'avons que 12 députés. Mais M. Nkobila, il a joué Namaye le Moko et Amabe, il n'a fait que copier. Viennent Kimbuta. 12 députés, mais bon, ça majorité. Nazoya. Il faut le dire. Nazoya. Dégénéré et de peste. Nazoya, je n'épargne personne. Mm. Ici, nous nous analysons. Azuka Mayele et Kimbuta, a comme ici, bah, député provincial, bah, ministre. Bah, Cyprien, bah, ministre, voilà, bah, comme bah, député. À telle enseigne, il prend en otage l'Assemblée provinciale. Donc, même M. Godin Poyi, marge de manœuvre n'est comme réduite. Il y a 11 mois, bah, Longoli est plus de deux fois. Cour d'appel et Zongissié. Moi, je l'ai dit quand il a eu de premiers problèmes. J'ai dit, pour ton honneur, M. Godin Poyi, tu ne peux pas travailler dans de telles conditions, démissionne. Mais le monsieur, par le goût du pouvoir, il y a Pilo, Pilo. Il est resté là. Mais regardez, aujourd'hui, la ville est bloquée. Et M. Nkobila et M. Godin Poyi n'ont pas aidé le chef de l'État dans la ville province de Kinshasa. Maman, t'as la salité. Même pendant la francophonie, nous avions cru que M. Nkobila ressemble à Tamoba Baléage à Betango. Car ça, c'est pas bon. Maintenant que Peter Kazadi a côté de Kamboa, vous pensez que c'est maman, c'est un peu il faut, tard. Il faut tant là, c'est que dit la loi. Mm. Bah, député provincial, bah, Nomar Bango, te bah, votera Bango. Monsieur Godin Poyi, ce n'est pas le président qui l'a nommé, il a été élu dans bah, député provincial. Monsieur Nkobila, il a été élu par les députés provinciaux comme gouverneur, le président signe l'ordonnance. Donc pendant que Longola Bango, il y a toute une procédure complexe qu'il faut mettre en place. Le président ne peut pas s'élever le bon matin parce que le président est démocrate avant de révoquer Bango. Yangomoni, M. Peter Kaz a dit bien que tardivement, il les a interpellés. Ce qui n'est toujours que simité Bango, mais on a conseil de ministre, le président va tirer toutes les conséquences de leurs aides, parce qu'il y a une minute au Bako Salaté. Mais il y a une réalité politique qu'il ne faut pas oublier. Ce qui est l'élo à révoquer M. Nkobila, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont dire que le président est tribal, parce que le vice-président de l'Assemblée provinciale, Moulouba, vice-gouverneur, Moulouba. C'est ça la difficulté politique tout en Ango. Mais normalement, M. Godin Poyi et M. Gentil Nkobila, ils doivent être mis de côté. Mais le problème est que la procédure est longue. Yangomoni, parce que quand le président a signé l'ordonnance, hein, pendant qu'on confirmait Nkobila comme gouverneur, Moutou a exécuté le ministre ayant en charge les affaires intérieures. Yangomoni n'a pouvoir wana parce que c'est lui qui gère bah, la territoriale à Bengaki Bango pour amener Solana Bango bien que la réconciliation yoso et Simba Nangote. D'où ce qu'il faut faire aujourd'hui, malheureusement, il faut attendre l'élection. Ok. D'élection, il y a un tout ça. Il faut aussi porter juste. Mais tout ça, des gens ont fait un mandat. Mm. Et ils font ces genres d'erreurs, parce que je ne vais pas qualifier de bêtises, ce sont des grands hommes. Ces genres de pratiques, à la fin du mandat, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas aider les chefs. Donc, M. Nkobila et M. Godin Poyi, pendant leur travail à Kinshasa, ils n'ont pas aidé les chefs, à l'occurrence d'autres provinces. Et le lot, tout le stabilité, ils ont avancé. Regardez le Lualaba aujourd'hui, le Haut-Katanga. Ça avance. Le Sud qui va avoir des problèmes aujourd'hui avec Théo Nguadige, ça commence à marcher. Voyez un peu. Maman, Goma, c'est la ville la plus propre de l'air. Je suis témoin. Merci beaucoup. C'est ça le problème. Mm-hmm. C'est parce que les gens là-bas sont disciplinés. Mais pour discipliner les Kinoises et Kinois,
Il faut des mesures, il faut des lois. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Moi, je suis en train de décider. La situation est en ville, il y a Kinshasa. Tous allez malheureusement assister à un spectacle très désolant. Où ils ont été en ville pour à Kinshasa. Est-ce que vous avez un moto Yabaï, s'il vous plaît, un moto Yabaï au Bazaï, au Kambambo, au Kanabiso, responsabilité, et pas un nani. Je suis en train de vous dire à Kinshasa. Merci madame. Avec mon histoire qui est en train d'intervenir, parce que dans ce pays, le débat est un débat pédagogique, tout édifice, surtout que mes médias sont comme moi. Ceci n'a pas été que j'ai peur pour attaquer Faoul ou quoi. Ceci est que tant que vous avez utilisé même le sujet de la mensonge, vous avez permettre que vous avez raconter parce que quand ça n'est pas l'objet on a babetri quoi l'objet du faillul mais n'a dit que c'est un fils du diable bango bazali bateau à l'okuta bon diable n'a dingue mais diable diable kuta n'a pas j'hésite le barat que n'a yosa aux chrétiens dans Matthieu chapitre 4 diable n'a jésus bande au sol à vie fouca mélanga salabou diable n'a n'a injurité diable diable tout sarana et babi résister au diable c'est tout sarana et à tout moment ce que bango ba fils c'est à dire ils réfléchissent qu'il est mensonge. Jean chapitre 8, Bolim Bissatona débat religieux, verset 43, Nazar, fils du diable. Donc, il n'y a jamais vérité dans mon nom. Mais rapidement, pour nous, on a eu important dans ce sujet, maintenant qu'on a eu le nom de Babylon, qui a eu le nom de la Bosso d'abord, il y a eu Fayoul à Salaki. Donc, il y a eu Fayoul à Tamboulouana. Côté à Moné, ça y est, il y a eu Naboum. Mais côté à Moussous, il y a Monité. Parce que mon atala batalokuta. Il y a eu le bac qui a eu, dans mon propos introductif, bon, il y a eu Tamboulak. Kuna bomona kaba pia kate pia kamona nika kote mko meto ebi ezalata kuna nenga zaki na kwilo koma yaime bato bazuki sadi koma ba mère ville koma bandeko na bazali kutya ba condition pona kuboya kimona mboka ezala nenga utaki na akomi na Congo central ko délocaliser na kazi ba image za na tina kozongela ngote ba iko les mêmes jours fayula zoya na nzila nde ba bene zo kende kubwa kabite te misala 145 territoire bande donc c'est ridicule les ama kambo to mona kina bangwa ba soda ya kan koloba ko beta match na triomphal de 8h à 20h nzo en équipe nationale pezo luka ba jouer mais ba jouer nzo ande bazana baka alors ya bibala lobi susuke Fayoul Basala Kaye. Peut-être que ce que vous avez besoin de corriger, mais il faut avoir des arguments. Je répète encore, en sociologie politique, il y a ce qu'on appelle les leaders charismatiques. C'est-à-dire, moto na kati ya société, population, moi, ça s'identifie dans motoana. C'est-à-dire, azo identifier, s'identifier par rapport à combat na, par rapport à valeur na, ndina pisi quelques exemples là, ouais, Mandela, ils aiment les, mais nazo qui va kalo kwa ba Congo, moni tout ça qui le kwa ba ba kizenga, azakane ya watema mona ba tuna tongonya sur ba kenda kana antenne ya Paul, wa futa ku bambo, na biki soka ye, vina biso ko bongo. Ça dit ça c'est un leader charismatique, on se comprend. Donc, et Fayoulou ndenga zali wana je te mets au défi. C'est-à-dire, ça c'est naturel. Mais côté Angambo et Banguna et Mboka, Kuna po batuna ki kutu moko ebisi ya bengi batuna biobobo mbanano mbongo, parce que makambango élection dire ko pousala. Le Kuna bango ba biki sa mbongo ba ko vivre te. Alors, ce qui Fayoulou, Bemba, Katumbe les autres basala kai. Voilà un gros mensonge. Basala kai. Bon, ils ont m'abêté. Mais, ce qu'on va basala kai, même benza chaque jour à TV le braque faut la soi kate. Mais basala kai pas zwa, te basala kai pas zwa. Ça dit, ce que Bassala a été mon aîné, Bakonga a zola d'abissou Batamayel, ça dit Azouaka. C'est pourquoi Bakomi s'est mon aîné. Mais ce que Azouaka a été. Et ça, le coup, la patate bateau a soutenu qui Nekotodongo. Bateau a soutenu qui Nani Noël Tchani. Le coup, la zoate. Est-ce que Bakomi s'est battu là que Bassala a Noël Tchani? Est-ce que vous voyez, c'est un débat ridicule. Ça dit Bazali comme une funda, que Faulunda Azouaka a encore comme un aîné. Vous comprenez? Parce que Azouaka a été. Le coup, ma candidat est belé Bazouaka a été. N'est-ce pas comme un aîné? EDD. En sociologie politique, je répète encore, mon comme ça que mon les alli peuple. J'ai tellement au défi. Lumumba n'a qu'un cas rapidement. Lumumba va 58. Aïe banakate. Mais tant qu'auti qu'à la conférence sacrée à Ghana, tant qu'à bandi ba makambure, nan dengue ba kanga kie, nan dengue okinata. Au moins qu'à la moite l'abse tana. Ne aïe bandi kouyeban. Mais pour kouyeban dans le monde entier, c'est juste après la sa mort. C'est ça l'idée. Mais ayeba n'était pas possible tout le monde mais par rapport à l'ito bien ba tabou me kabi oh ba bomi e poza ko défendre mboka nae ndé ba te belé ba sadéré na komba nae c'est ça l'idée nazu par exemple tes siskedi ba sala ki 13 parlementaires il dépasse 13 parlementaires et tu écoutes la parmi ma grande leader ma comme leader ndengeni a comme leader parce que ba oh ba banda ki lo ko wana bo bazala ki en tête ba leader ba ngombo ba sainin ba mobuta débauché sous bango lui là il est resté dans les combats c'est ce qui fait que peuple a sainin peuple a tomboli.
Est-ce que vous comprenez? C'est ça, leader, Ezali, par rapport à un combat politique, n'est pas leader. Et, vous allez en anti-choc, vous allez en benza. Si vous allez creuser, c'est-à-dire sur le plan interne, vous avez la capacité de Félix a commis sur le premier ministre. Si vous allez en longue, il sera disparu. Mais pour dire il faut avoir des données, il faut avoir des atouts dans la carte de vous. Vous comprenez? N'est-ce pas là que vous allez nommer, vous allez nommer, grâce à lui, vous allez commis sur grand. Et j'ai terminé par là, vous pouvez vous faire des exemples, vous pouvez vous faire des exemples, vous pouvez vous faire des exemples, vous pouvez qui n'ont rien fait parce qu'en politique on peut venir t'aider, c'est-à-dire participer, qu'on soutenir yo. Ça je suis d'accord. Mais qu'on crée Moutou, c'est le peuple. Ce qui est Katoumba qui est grand. Mais pourquoi Kabila qui est attaqué bien faux pernati? Parce que Katoumba le bibo. Mandat de Bosso, tu gagnes qui te, tu ibak. Yami balé, tu ibak. Nabo yami sa tu ibak. Et ça n'a pas été Katoum. Ce qui est commis à Kabato grand. Mais Kabila a gagné même en 2006. A gagné c'est en 2011. Mais il y a Zaki grand, Zaki wap. Toi, il y a 2000, tu papa, Bekuru tout bemba. Est-ce qu'avant 2006, avant 2006, n'est-ce pas même Bazaki Gra? Ça, je parle en sociologie politique. Même Bazaki rebelle. Ma commis grâce après l'élection 2006. Bah, toi, mon que n'a terre, et tiens, c'est que dans l'alité, yenda zawana. Toi, tiens, mon amour, ma boque. Est-ce que Bemba ou taki se paye, il y a 2006 à ou taki se paye? Est-ce que c'est le même Bemba? Bemba ou tu vois qu'il y a qui colle, on a la zalaka qui colle, bah, tu vas zate. Mais Bemba ou taki se paye. C'est pas la même. Ça dit en sociologie politique, madame, au ma grand, mais ce qu'on s'allie bêtise. N'est-ce pas que tu as une belle naïde de paix, yao? Eh, bah, on a tous ceux qui ont banane, est-ce que c'est le temps de l'équipe dans la sociologie politique, au coco, au coco, au coco, au coco, au vers le combat, mais au coco, au coco, au coco, au limo, au coco, 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 parce que Bazaba t'a l'okuta. Etienne Tshisekedi a boyaka belection avant d'accord. T'as l'okuta, il y a ta histoire. Nassan, ici, Etienne Tshisekedi a participé comme opposition non parlement, non armée. Promesse à qui que ma dribla qui est nabé, ma zaki complice, ma dribla qui va tenir Baba Congo va signer Bako. Tant que va écarté, papa Siliki, vérité a été en goté. A Siliki, a regardé ce qu'on a salba bengaka. En sociologie politique, les rapports de force. Allah qui s'en a communauté très souvent à Guinée, ça ne s'y tient pas à la n'a pas zonga ba négociation. Bataboumbe que les autres ont dit que non, aucun n'a pas élection. Maintenant, quand il est rentré, Etienne Tshisekedi a commencé à faire des marches. À Sala qui va manifestation, pas là qui s'en va au casa grand. Manifestation à Souka. Oh ben, on va voir que papa, t'as la photo à moi, on va te la moi en aïe. Pas le but que Etienne Tshisekedi a vendu. Mais j'ai dit le Congolais nous souffre que Etienne Tshisekedi a fait des différentes marches qui ont été échouées. C'est ce qui a fait qu'il a participé. Il a demandé même au Congolais, Baboya, et Babenga Guinini, Otto Sakalibosso, Nini, avant de constituer Babenga Guinini. Référendum. Il a demandé au Baboya. Il a demandé même au Congolais, Baboya, qu'on s'arrête. Vous comprenez? Même Bassin, même le Tshisekedi a soutenu en 2006. Et Tshisekedi a refusé. Et Tshisekedi n'a pas dit même en 2011 dans ce pays a soutenu même Baboya. Donc, ça, c'est des informations qui ont évité. Donc, papa, avant d'accater, à Bundaka, malgré à Koukaki, tu battais Bemba, na Kabila, tu sais que tu ne vas pas quitter. Ça, c'est la vérité. Alors, na zongi suko rapidement, na eloko lobi d'awe salinga pasi mama, na zakami na respect, na kozongi na ngoli soute. Que peut prendre à la faute, que batou bas. Batou bavana na ndenge na bango. On doit être sincère. La majorité des députés basalés à la nationaux provinciaux. S'il y a eu des gens qui ont été élus valablement, bah, on compte à 30%. De ces 4, 70%, ce sont des gens qui ont été nommés. Ça, c'est la vérité. Même Kabou, il y a l'obango, à l'obango, pas Israël Moutombo, Kabou, il y a l'obango, la top, c'est tout le monde qui, tout le monde le sait que les députés ont été nommés. Ceux qui ont élection, ça qui est transparente, Moutou, n'est comme on est là. Bat, ne peut pas voir 40 députés. Ah, non, 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 bref, à la plus con, quand il y a télé 50, ça a dit 6 bisoboy. Avec toi, Kabat, il peut avoir 40 députés. Ce sont les députés de Kabila. Image Zali. Donc, les députés qui nommé. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas que le peuple vote. Et en 2006, tu as voté pour toi, tu as voté. En 2011, tu as voté pour toi, tu as voté. En 2018, la même chose. Et cette fois-ci, tu as voté pour toi. Combien de personnes ont voté? Il y a un nommé. Combien de personnes ont voté? Donc, tu as voté pour toi, tu as nommé. Alors, si tu as voté pour peuple, tu as voté pour le peuple. Tu as voté. Mais il n'y a pas de vote, mais comment on a abîmé? Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons besoin de pouvoir attendre le cabinet, le peuple vote à côté. Responsabilité, je n'ai pas de dossier. Bon, si vous avez un cambo, vous avez un magre, vous avez un kendakina, vous avez un cambo, vous avez un cambo. 30 secondes. Le problème est lié à Félix. Oh. Mais quand tu sais ce qu'il y a d'abord, quand tu empruntes la théorie chinoise, il n'y a pas de mauvaise troupe, il y a des mauvais chefs. Vous comprenez? Quel rapport? Non, il n'y a pas de comawana. Mais il y a qui copie, il y a Kabila, il y a Félix. Qu'est-ce que Kabila Mbobila a représenté par rapport à Bilan et Nananini? Il y a 12 députés.
Oh, ministre, fameux ministre intérieur. Oh, je suis mort. Je suis mort. Oh, nous sommes comme vice-gouverneur. Alors, il y a une photo de la Kanga qui a voté. Il dépend de la vote. Il y a un arrangement. Tu as montré que c'est Kabila qui a besoin de protéger la pionne. Ou il y a un salaire qui va me faire par rapport au bas du régime. Alors, il faut qu'on récompense le bateau. Sauf que c'est pour la méritocratie. Les fameux messieurs ne pouvaient pas être là. Le pasteur avec peut-être beaucoup d'estime, et malgré Kouroutou pas de Sivanga, mais le problème est qu'il ne faut pas amener le débat des pasteurs et Godempo. Ici, il n'est pas là dans la chair, il ne prêche pas la parole. Allez, Zamakamba, je suis à mon côté. Mais il devait être un oui, côté valeur morale, Bisso, Negébi Lobby, que nous sommes la lampe partout au Gozala, et dans l'administration publique, et dans ma famille, la Bisso, tout là qui s'est réellement que tout ça va se faire. Mais faiblesse, là, je suis d'accord, dans Bango, c'est qu'au début, moi aussi, j'étais malade. Azo a dit que depuis Congo et Banda, c'est pour la première fois qu'ils ont gouverné la monnaie. Ça, moi, je l'ai suivi. Et ça, c'est mon temps de terrain. Bazo a même gouverné le Kolaï. Ce qu'on a l'air, qu'ils ont quoi, ça l'a on a les qui pensent que c'était encore le débit, je n'avais pas encore compris. Papa, comment on a dit qu'il n'y a pas que nos deux femmes bon. Il faut tout la banque. Ça passe par l'Assemblée provinciale. Comment est-ce que vous avez fait un bon ensemble, vous avez plaigné, vous avez autorisé, vous avez autorisé. Bref. Le problème, les alliés, au moins, ils ne sont pas fans. 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 La population a souffri. Il y a conflit entre les institutions. Mais il y a aussi l'article 69 qui parle de garder le bon fonctionnement des institutions. Batika, Mokebeba, parce que vous avez un problème avec les banques, vous avez un problème avec les quotas. Vous avez un problème avec les débats, vous avez un papa, en démocratie, c'est la méritocratie. Merci beaucoup, Ndeko. Eric Tshisaka, ce qui se passe à Kinshasa, le VPM intervient. C'est tout le problème. Et ça, en retard. En violation, monsieur. Est-ce que la solution sur Kinshasa pour la guerre ou pour le conflit, s'il faut le dire comme ça, ridicule, et que vous avez une solution? Oui, un homme de Dieu puissant n'a pas besoin de beaucoup de physique pour chasser les démons. Il suffit simplement de parler et les démons vont partir. Manque de puissance, manque d'analyse. On appelle ça une réflexion toi-boui. Il a transpiré et pour n'est rien et rien et rien dû. Et ceux qui nous suivent peuvent le confirmer. Il n'a rien dit. Quelque chose à qui est simple. Je répète ici que Fayoul a été pondu à Genève. Nous l'avons pondu à Genève. Toi, si tu étais là. Voyez-vous, puisque j'étais dans l'opposition. Je vous dis que j'étais dans l'opposition. Nous avons pondu Fayoul. Il n'est pesé nullement. Et tous connaissons cela. Il a fallu tromper Tshisekedi. Papa, sauf que commis président, Nanaza la première ministre. Qui ne sait pas cette histoire? Tous savions cette histoire. Vous ne pouvez pas mentir les gens ici. La tenace au Congo, ça. Même Moïse Katumbi l'a dit. Il était derrière Félix Tshisekedi. Félix, il a. Il n'avait jamais. Il a eu le temps de parler. Il n'avait jamais été derrière Fayoulou. Même Jean-Pierre Bembagoum est allé malgré lui. Moïse a même dit Félix Tshisekedi, c'est un homme vrai. Ah. J'ai dit, mais Moïse, quand il était dans la Mouka, Arabi, top Congo FM, Moïse, Arabi, Félix Tshisekedi, un homme vrai. Un homme qui dit la vérité. De nous tous. De nous tous. Là, dans l'opposition. Et lui vient ici dire, nous brandir, qui connaissait Fayoulou? Fayoulou que Kovo il a amené là devant Tshisekedi Wamulumba. Fayoulou qui touchait pour Félix Tshisekedi les Chakos Awa na congrès, il y a IDPS en 2007, quand on veut choisir Tshisekedi comme président IDPS. Il touchait pour Tshisekedi la mallette, qui ne sait pas. Moi j'étais de la de l'opposition. Peut-être que Utiko Marasikoya, je t'ai rappelé. Il ne faut pas venir mentir. Montre l'image. Moi je suis sidéré que l'orgueil de M. Fayoulou ne reconnaissant pas les autres. C'est faux en politique, ça. Ça ne peut pas marcher. Le poids des autres est très capital. J'ai aimé Kikuni qui a derrière lui a déposé candidature à Sengba Moussoubas. Pas Sangalabino, tout coûte ensemble. Comment vous voulez battre l'Union? Mais tu n'es pas l'opposition, ça vous dérange à quoi? Tolérance, mon amour. Ça vous dérange à quoi? Ça vous dérange à quoi? Prendre l'opposition, ça vous dérange à quoi? Il est très mal à l'aise, hein. Alors qu'il a prêché ici. Non. A dit, c'est un démon, mais il m'a bien qu'il a été. Il m'a bien conseillé, puisqu'il a la puissance. Comment vous voulez vaincre? On a toujours dit l'unité fait quoi? C'est la force. Vous voulez. Mais oui, l'unité c'est la force. Vous voulez vaincre un candidat de l'Union Sacrée avec plus de 500 partis politiques autour de sa personne, autour de lui, de la personne candidat. Vous êtes quelques partis politiques, vous voulez vaincre ces messieurs-là en étant divisés. Et Yosa Kokene Obakine, Batonio Sawalabaye Panangaï, dans la moralité, dans l'éthique. Et tu tires sur les autres. Et tu oublies que Moïse Katumbi a dépensé beaucoup d'argent pour toi. Et que Moïse a dépensé beaucoup d'argent pour toi. Bemba et tous, Nabachen et tous, Bemba a fait pour toi. Et les autres. Kikuni qui était chaque conférence de presse, il a failli lui. Il va comme s'il était devenu son cadre et un parti politique naïf.
Ça, c'est méfier les autres. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et j'aimerais rappeler aux gens à comprendre que Fayulu, c'est quelqu'un troublé qui ne pense qu'à lui, à ses intérêts, pas pour les autres. Nalandi Costa Mutamba, qui a parlé, qui a d'ailleurs dit que certains candidats veulent être réunis en Belgique, candidats présidents, qui vont discuter et échanger. Je crois que peut-être que Bango va Kobimisa, un candidat à Bango, il faut le retirer à la MOU. Il ne sera même pas dixième. Retenez ce que je vous dis. Il ne sera. L'orgueil qu'il porte aujourd'hui est que détruire. Il va disparaître de la politique. Alors, je reviens un peu à Yande Konangai, que je considère beaucoup. Au départ de son allocution, il a parlé. Tout ça et tout ça. Vous savez, Tshisekedi n'est pas dans une vision conjoncturelle. Ça, il faut vraiment comprendre. Il est dans une vision structurelle. Lorsqu'on promet de faire la RDC allemande de l'Afrique, ce n'est pas des décisions conjoncturelles. C'est une vision de projection. Aux États-Unis, dans certains pays, ils projettent leur pays en 30 ans, en 40 ans. Notre pays sera ainsi. Lorsqu'il promet, il est dans la refondation du système de l'État, même de l'organisation de l'État, maître des bases. Il ne va pas rester éternellement. Mais il a dit que d'ici la fin de l'année, mais oui, mais oui, s'il vous plaît. Quand il dit d'ici la fin, c'est une très belle question. Il y a la phase de la refondation, de la restructuration des organisations de l'État. Et maintenant, la phase, deuxième phase, la phase Abaki, RDC, projet Naï, renaissance, développement et crédibilité. C'est là où le Congo va porter ce que nous appelons l'image des images d'un État refondé, organisé, structuré. Quand il parle de la crédibilité, c'est-à-dire qu'on a des Awana et Roma, le rôle de l'Allemagne, le rôle de la Belgique. C'est une phase. En fait, nous sommes en train de structurer certaines choses. Ne peut comprendre cela que celui, un intellectuel, un homme de vision et un homme réfléchi. Mais si vous êtes dans les discours, il y a pasteur, il y a populiste, vous ne comprenez pas. Tous les États du monde, ce n'est pas une année, en deux ans, c'est un travail qui a été fait, de base. Mais vous trouvez tous les désordres qui sont en train d'être faits. Mais pour détruire tout ce qui s'est fait, c'est un travail qui est en train d'être fait. Vous pensez qu'au deuxième mandat, chef de l'État, Félix Tshisekedi, Biloré Rosalesus. Non, puisqu'il a constaté, il a analysé, et il y aura des sanctions, ne vous en faites pas. Donc, mandat Ouezaki a essayé. Non, dire essaye, je crois que ce n'est pas vraiment dire ce que j'ai dit. Ce n'est pas l'essai. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans un pouvoir, ça, la redoubine à la diagnostic. Même, tout ça, l'économie, c'est au diagnostic. On diagnostique, on trouve des faiblesses à gauche et à droite, et on amène des mesures pour réparer ce qui a été déjà fait. Il faut le dire que des ordres, tous au monde, à l'élo. Et c'était les désordres qui étaient déjà, même sous la gestion des Kabila, qui a continué. Puisque Félix a fait confiance à tout le monde. Venez, nous allons travailler. Et d'autres sont venus Nakataide Oyakala. Et maintenant, tous nous avons vu leur mauvaise foi, mauvaise volonté de servir la nation. Et les sanctions vont tomber. Alors, Makamba Pasteur Godempoï na Gobila. D'abord ici, je tiens à déplorer quelque chose. Monsieur Godempoï, qui... nous avons suivi un député Eric Bokula, je crois qu'on les connaît. Oyoba Luba qui entre guillemets qu'il aurait violé une femme, bon, une bonne, cette bonne qui disait qu'il serait violé pendant plus de 20 fois, a porté avec M. Godempoï, M. Eric Bokula plainte. M. Eric Bokula qui était en Europe pour se faire soigner puisqu'il avait été empoisonné, il était allé bien avant, sans attendre le député provincial, M. Godempoï avait décidé à Goulungla par immunité parlementaire, mais sans respect des principes qui sont établis. Les immunités parlementaires tombées. Sans attendre celui qu'on a accusé injustement. Pourquoi? Puisque ce monsieur défendait ceux de Kingabo avec un projet qui était bien établi et certains acteurs politiques derrière ont influencé sur ces dossiers. Lui n'a pas respecté les procédures, mais je suis étonné que cours d'appel à chaque fois, quand on les fait tomber, Bazong s'arrête. Donc, on va respecter les procédures, mais pour n'aille pas respecter. Le problème de M. Godempoï, ils allaient guerre, il y a le Koso et Mbongo. Ils allaient non, monsieur Gentil Ngobila, Bazako ou la Mbongo, Bazako ou l'intérêt Nabango au détriment de la ville professe de Kinshasa. Sur le total de Kinshasa, ouais, tous nous serons d'accord que la ville n'est pas gérée. Ça, il faut vraiment être d'accord. Et ce n'est pas le président Tshisekedi. Et les gens ici de l'opposition vont dire que c'est Tshisekedi. Ils sont tous dans l'union sacrée, non, mais les ordres de Nabino. Tous dans l'union sacrée. Et puis l'avantage de le Barango toujours est bisous au sein de l'union sacrée. Nous, nous sommes de l'union sacrée. Godempoï, il est de l'union sacrée, n'est-ce pas? Si nous sommes des lignes sacrées, nous disons qu'il y a une chose qui ne va pas. Nous condamnons, ça dit que nous ne sommes pas d'accord. Les lignes sacrées, c'est-à-dire qu'on remuera, on va tirer, on va dire des ordres, on va dire que tu alors qu'il y a FCC à l'époque, il y a Kabila, il y a Bango, il y a un bêtise, il y a un bêtise, nous nous déplorons. Donc, ce qui a fait reculer Kinshasa, transport, il y a un résultat pris, alors
ce sont eux qui doivent les régulariser. Insalubrité, Zali, dans la ville à Kinshasa, même dans l'hôtel de ville, salité, Zali, l'insécurité, etc. C'est le rôle, puisque le gouverneur, Ali, représentant et chef de l'État dans une ville. Et quand vous regardez l'autre ville, Ndekombe, Zalobiango, vous prenez peut-être Goma, c'est la ville la plus propre de la République démocratique du Congo, que d'autres villes. Kinshasa, où Zali, image et bien institution, et Ali affaibli. Kinshasa, et Ali, salité. Et bien, guerre Nabango et Zali sont des guerres, moi, avec des opportunistes, des gens qui discutent autour de l'argent, mais pas autour de ce qu'ils doivent faire. Moi, je crois, le fait que les ministres de l'intérieur, Peter Kazali les a interpellés, ils ont le rôle naïe, il y a qu'on remettre tout sur le chemin, et ça, il y a le rôle important. Si, comme Bézala, le bien mot, et qu'en tant que Zalité, je crois que les sanctions seront prises ou c'est-à-dire déclarées par le chef de l'État. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, d'abord, la logique était simple, il a fallu à M. Gobila, même à M. Godé, pour de pouvoir déposer la humilité, bah, déposer bah, des démission de la Bongo, pour laisser aux autres de pouvoir gérer la ville pour faire des Kinshasa, puisque le bilan qu'ils ont produit, ce sont des bilans chaotiques. Ils n'ont pas servi la République, ils n'ont pas servi les chefs de l'État. Merci et beaucoup. Ça, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Merci beaucoup. Makambo, tozo le bel Kinshasa, ndeko Mike Mukeba ya lobaka ngo, il y a beaucoup de temps passé, les Kamba Kinshasa. Kinshasa n'est pas bien géré. Ndeko Nathanael, tosi sana au dossier à Kinshasa, bazo akize, mauvaise gestion, Kinshasa n'a pas ambulance, t'es Kinshasa salité, Kinshasa, insécurité, Kinshasa, bref, Ezali pas géré. Comment résoudre justement ces problèmes, votre mot par rapport à ces sujets aussi, ça, les tambours. Merci beaucoup, maman Naomi. Oui, bien, dans l'académie politique que nous avons avec M. Seth Kikuni, dans la scène politique, ils ont réuni l'élite, ils ont réuni les gens qui ont une bonne moralité, les gens qui ont une bonne vision, donc ils ont réuni bah, potentiel. Et ça, ici, quand tu bah, résidis à la société, bah, cause là. Parce que même s'il faudrait penser à la pensée première, il y a mot politique, c'est une zone à l'Ecclésia, à l'époque, c'était un groupe d'individus sages, intelligents, qui s'est retiré en dehors de la ville pour discuter les choses, pour engager l'avenir de cette ville. Donc, pour Nabiso, scène politique, il faut dans le cadre mon corps, où ils apprennent à battre, réfléchir, et non pour des gens qui viennent dire n'importe quoi. Alors, ici, sur le plateau, la Vande à Trim, nous avons représenté tout un peuple. Alors, Nayoki, le pasteur, c'est une personne avec une bonne moralité, il doit prêcher tout ça. Mais il y a des pasteurs fugitifs qui sont des lignons sacrés, qui insultent publiquement les candidats Denis Mukwege. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça parce que ça leur arrange. S'ils ont une bonne moralité, ils ne doivent pas faire ce genre de propos du haut de la chair. Raison pour laquelle je dis, la scène politique, ils ont ici comment ils ont réuni les hommes intelligents et honnêtes. Godin Poyi, Ndeko Gentiline Gobila. Maman, nako lobelango te ezabusoto union sacrée. Aujourd'hui, le pays est transformé en état totalitaire, au totalitarisme. C'est-à-dire, on a une vision, on a une fiction qui s'est réunie autour de l'État et comme le roi parti unique. Quand bien même ce n'est pas officiel, mais d'une manière officieuse, nous avons l'union sacrée. Ça dit bah, tout baso géré. Découvrez ici soit Gazana union sacrée. Il sera nani en baso géré pays ou Gazana fonctionnement la pays ou Gazana union sacrée. Bah union sacrée. C'est qui bah ben moi on invite ce baso en web. Haute autorité morale de l'union sacrée c'est qui? Président de la République. Il est le père dans l'union sacrée. Donc ce qui se passe aujourd'hui, Nakatia, il y a union sacrée. Et ça parce que papa a la légèreté. Mais cependant, Moutouyo Sosa n'a pas ni la responsabilité. Maman, c'est le gouverneur, il y a ville. C'est là la silissa. Gouverneur, il y a Bakongo. Je crois, il y a Bakongo, hein. Qui vient de. Elle est président de l'Assemblée provinciale de Bakongo qui vient de démissionner. Tu penses qu'il a démissionné de son gré? Non, tu penses qu'il a démissionné de son gré? Parce qu'il a déplu au président de la République. Il soutient Katumbi. Et parce qu'il soutient Katumbi, on l'a forcé de démissionner. Vous savez, la politique, c'est au-delà de ce que vous voyez. Donc, le long des abois, Godin Poyi, Nachatini Ngoblabazo, il est là, bilan négatif, Nabango. Comme Nasuka, ils n'ont pas servi le pays, lui-même l'a dit. Ils n'ont pas servi le pays. Et puis, nous, les Congolais, tout à la Bango. Ça démontre à suffisance comment notre pays est mal géré. Nenimbo, quand même, ils ont géré les lots, assemblée provinciale,
assemblée provinciale, gouvernorat provincial, bah comme si un niveau bas, bah si mananzo te devant vice premier ministre à Skip. On les a par humains. Hein, à l'objet à Skip. Voilà. Ouais. Toi qui data bongo t'es par analogie. Mm. Ce que babeng a bongo parce qu'il va soigner. Mm. Donc vous voyez dans quel état mboka na biso ezali wana ezana assemblée provinciale. Mm. Qu'est dire alors na gouvernement central? Voilà pourquoi nous pensons que 2023 ils a fin il y a classe politique médiocre et c'est la naissance d'une nouvelle classe politique. Il y a wana biso tozo tala bango lo wande ba kongola ba branda ko zozika après ça makamuna bango. Nous comprenons qu'ils sont vers la fin, ce ne sera pas seulement la fin de Ngobila et de Godin Poi, mais c'est la fin de tous ces régimes. Voilà un peu ce que je peux donner comme mon point de vue. Et le peuple est dans tout ça. Mais c'est notre pays. Kinshasa, c'est l'image du Congo. Voilà maintenant pourquoi, le jour du dépôt de candidature de M. Seth Kikuni, il a dit ceci. Ndeko Fayulu, Ndeko Sesanga, Ndeko Diongo, Ndeko Katumbi, Ndeko Matata, na Yemoko Seth Kikuni, bako vanda na Mesa, pour abîmer sa candidature commune pour sauver notre pays. Parce que j'ai cité M. Fayulu. C'est là que j'ai cité, c'est ceux-là qui sont. Nous, nous sommes en train de faire une démarche salutaire. J'ai cité les 6 personnes que M. Kikuni a citées. Et nous considérons que si, pour l'amour du pays, pour Makambo Aboué Bandila Malisouté, on doit le faire ensemble. Comment est-ce qu'on a gagné, M. Félix? Et c'est un gâteau de la candidature commune. Mais tu as réduit une débat chance naïe à tricher. Ok. C'est-à-dire, Zila. Vous, Zila, pour nous boubler le collapse. Moi, oh. Oh, ils ont mukaté, il y a 100 francs les lots, parce qu'au il faut battre là. Oh, 100 francs en bilan fati. Ça dit, Congolais solo, il y a dit, oh, ils ont 100 francs. Mais, t'as là bilan fati. Congolais n'y a rien à voter, mouto aboué. Problème économique, non, non. Ils ont partout dans non, le monde. Non, non, problème économique, ils ont. Farine, ils ont un problème, bleu, ils ont un problème. Au moins, oh, au moins, oh. Il faut le reconnaître. Au moins, oh, oh, bah, Congolais, ils ont talent, oh, ils ont bazooka. Mais à part Kafati à côté, il y a 50 francs. Les lieux, comment moko 100 francs? Oh, 100 francs, oh, 100 francs. C'est-à-dire, même quand on a mis postulé face à Fati, on a regagné. Parce que bilan, ils ont large, lamentablement négatif. Est-ce que vous êtes sûr que le peuple ici a désavoué Fati? Mais, dès qu'on a la question, oh, petit peuple, oh, moni, oh, bango na gombe, balia rangote, oh, balia kate, oh, basson barate, bisole to vivaka. C'est pour te démontrer que le bilan de Fati est négatif. Mais pourquoi nous voulons une candidature commune? Il ne faut même pas citer Constant Moutamba, parce que le Tshisoka vient de le citer. Non, 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 non. Constant Moutamba n'est pas de l'opposition. C'est une candidature de la majorité que nous ne calculons même pas. C'est pas possible. Vous comprenez? Que nous ne calculons même pas. J'ai cité ces 6 noms. Nous serons à la table pour elle, parce que Ndeko Fati a profité, a retriché. Place ce qu'on nous a dit, nous avons pour le peuple. Pour que nous ego personnel autour du table pour désigner un candidat commun et non un candidat unique. Ils ont la démarche à candidat unique. Il y a une qui est union sacrée. Ils sont candidat commun, candidat consensuel. Très bien. Au revoir, plutôt au PSA, bah voir Nabisso. Et puis je vous garantis ici que dans les jours à venir, nous serons sur la table, nous allons faire tout notre mieux et nous souhaitons que cette candidature soit mise. Merci beaucoup, merci beaucoup, Ndeko. Molamboka Komi, on prépare l'avenir sur base du passé. Tu sais le passé. Alors, si tu ne sais pas, il ne faut pas dire n'importe quoi sur le plateau. Le pouvoir en place est en train de préparer notre avenir. Merci beaucoup, Molamboka. Ndeko Msoa Komi, l'homme de M. Fayulu. Doit nous répondre parce que Fayulu a trahi ma compagnon Naye. Est-ce que les erreurs de Makasi en politique à couper en go cash? Merci beaucoup. Katumbi veut le pouvoir pour le pouvoir. Ces messieurs veulent le pouvoir à tout prix et c'est dangereux pour notre pays. Selon Bango, Katumbi égale. Joseph Kabila. Tout ça, dernier tour de table sur la question de la présidentielle 2023, élection 2023. Ndeko Fayulu Alobi que Azali, candidat commun. Candidat commun, il y a opposition. Alobi que Bayezoa qui est depuis, peuple Azoa est depuis 2018, et Bandeko Nyonso Bazali. Mon côté à Kokani Naye sur le plan moral, éthique, Nao Etali Bongo co-géré, puis Nao Etali Bongo valeur Naye. Est-ce que
azo ignorer ba mususu. Est-ce que Fayulu aujourd'hui travaille contre l'opposition ndenge ezali komuna? Est-ce que Fayulu azali kopesa opposition mokongo ndeko ndeko ya SID Serge Malubombo Kayo? Merci beaucoup vraiment émission ezaka kitoko. Bo pesa kabiso atayine 30 minutes ya sous pression bo ezaki to côté na moni déjà. Bon, il y a pas de problème, to koti kaboso to te to ki awa. Bato ba ponanga mbo ya lokuta bana ya satana. Alobi boye, vous voulez faire face à un groupe qui représente plus de 500 partis politiques. Nazo bisai ki yena papa na ye bat. Bazwa ti ba debocha na elika mbokolo. Siko moni kote ala muka, moi ba dai kombi. Me ba dai na pepe. Tala siko ka entre le premier Fayulu na les deux Shaddai 60 à 17. Tala ka. On les a pas donné même la cimetière yebane. Donc atabo sangani ça c'est un vide. Ça c'est un vide. Samedi, moi j'étais ici, je devais tourner une émission avec vos confrères, il y a CCTV. J'étais ici, pas plus de 10 000 personnes. Tout le monde a un drapeau, surtout un drapeau à battre. Mais si vous avez un drapeau à battre, ma maman est l'église, de bazar a plus de 400 partis politiques. Mais je vous dis, pas plus de 10 000 personnes. Donc, quand il que Félix Azakara, Kabila Azakara, Bangwa, tout le monde a un drapeau à vendre, mais 17%. Ma paix, ça va tomber 10 000 francs à la campagne. Peuple a zazo batté. Et alors, comme vous souhaitez, souka, pour la kenne rapidement, na moutouna, alobi, le programme, monsieur. Dans la gestion moderne, en démocratie, surtout dans une république, dans la gestion vraie moderne, le programme, ou soit un projet, surtout le programme, est toujours posé sur un matelas qu'on appelle un budget. Les types vont venir faire des incantations. Et le programme là est lié toujours dans le temps et dans l'espace. Félix Sabi, à la fin de mon mandat, comme ça peut Congo, Allemagne, beaucoup comme moi. Yosef Bissanga, il a posé des jalons. Il a posé les jalons pour quel timing? Timing, il y a Alba qui a dit ça. Même Godin Poe a dit ça, qui sont que Zando avant décembre. Godin Poe, Zando avant décembre. Le 15 novembre. C'est le novembre. Donc, quand on a dit ça, dit que Yassif Félix a posé des jalons. Il a dit que Yassif peut-être. D'abord, on ne peut même pas projeter 10 ans parce que qu'est-ce qui vous garantit que Yosef Bissanga commande? Il a parlé dans le monde que Koloba, si vous voyez dans son esprit, il parlait à 5 ans. Et même ceux qui dans 5, même dans 15 ans, et dans, même toi qui as payé pas absurde, que Félix est ma soeur, tu as 20 ans, et c'est ma soeur entre nous. Toi, l'on a un peu de politique, tout ça, toi, tu as chrétien. On a dit que même un PC Félix 20 ans, comme ça, Congo, le quoi, Allemagne. À ta 20 ans. Donc, alors, dans les Sikoyo, dans ma cambo, il y a Moutouna. On dit que Fayulu a prêté. D'abord, il s'est dit que c'est un Congolais. Bon, il y a un respect, il y a un journaliste, il y a un peu exception. Monitango motuzako linga ko analyser question faut ko yokanano des sujets faut ko kanano question uta ki wap faut c'est pas rêver le matin comme ça s'ils sont liés à lui. Bon, moi je suis candidat unique comme ça, il y a une question et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nazo répondre ka pour la respect na yo à Monica Fayulu, c'est quelqu'un qui a subi beaucoup d'humiliation, c'est quelqu'un qui a été empoignardé depuis bauta ki na bakaka depuis na Genève tina moya lelo moi attendre ngi bakende ko sangana Lubumbashi. Vous savez comment batu baboyaki, mais pour na ko la tsana mukilike la lingi batu la lingi intérêt général, c'est un homme humble. Mais makambo ya lubaki d'abord na luba pourquoi na lubiki il a toujours été humilié. On met dans le groupe nazo ka rapidement après c'est télévision ali tango dernier rencontre bonan Lubumbashi, dernier rencontre Lubumbashi bazaki na muzito bemba katumbi Fayulu, ils ont signé le communiqué conjoint. Ils ont dit ceci, c'est notre candidat Fayulu qui avait gagné. Ça c'est le dernier communiqué tango avant bemba na katumba kende, et nous allons continuer le combat sur la vérité des urnes. Le lendemain, ça va se faire au point de presse. Tout le monde a dit que Katumbi va se retrouver Kuna. Et c'est dans une lutte politique. Et ce n'est pas un coup fatal. Et ce ne sera pas déstabiliser la machine. Et ce ne sera pas déstabiliser Fayulu. Il va se faire un coup fatal. Tout le monde a même un collaborateur. Il y a des collaborateurs qui ont dit que c'est un homme de Dieu. Je cherche l'unité, je cherche l'inclusivité. Les autres, ils ont quand même un plateau. Ils ont passé le même document. On a passé le document. Il y a dit c'est un papier. Et ce monde a dit. Au moment de ma fin d'été, est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'on a fabriqué? Mais Nazar a dit que l'on a continué l'audio. Ah, on nous dit qu'on a répondu à qui que Katumba Tikala pour soutenir. Nazar a dit qu'on a continué l'audio. A Tikala pour soutenir. D'abord, il y a tout qu'on a dans votre. Et en dehors de ça, on a souki ça. On a souki ça. La candidature commune relève de la stratégie des candidats. Ce n'est pas un impératif, ce n'est pas constitutionnel. Et ils ont l'élection en 2006.
papa même malgré nous sommes ça magne de peste à la net c'est quand soutenir tiens d'abord na premier tour il est papa lui et bon oui bien non na deuxième tour bah il consa ni bah c'est vous beaucoup talent pour le parler bon il y a que soutenir Kabila vous savez il y avait pas une candidature commune face à Kabila en 2011 et c'est que la salle va tourner à la kengo kengo boy à la caméra aux autres commissaires les lois caméra bim on va tirer la place à la na même bâti la CPB même baboya. Elle s'appelle ça la mode. Mais tu sais, ce gars a bâti. Il a bâti Kabila. Qui ne sait pas que tu sais ce gars a gagné. Ce n'est pas le Cameroun Sangui. Ça peut être un jeune frère Ngati Koloba. Dans les pays sous-développés, on fabrique toujours des candidats. Au moins, il y a eu ce bazar, Noël Tchani, les autres. Comme ils sont candidats, il y a opposition. Mais il y a eu un candidat qui est opposé à la photo sanglante. Et pour la consulte qui ça. Même d'abord sur le plan moral. Il n'a pas fini. Même c'est un chrétien. Sur le plan moral. Ton vendu na bandeko. Fayou la inale bagaz. Ne tozo abwe dava koufa. De fayou a koufa. Ne tozo abwe dava koufa na prison. A collègue moussou koutou antou koukota prison. De semeni mouan ane a beba bota ma kia prison. Permettez-moi je termine, c'est très important. Ton mouni na baninga dans l'obite ke para bango baba victime. Mais zate pas se même pas mouzi. Katoum bien si de suite il y a des victimes. Mais boti ki komba. Boki ko région de Félix. Ce qui Félix a sa la komba ngo bazo kanisa. Oba kanisa ki ne ba région da ki ye. Il a pris 7 minutes. Est-ce que vous avez voilà, Félix? Mais si vous voyez vos zombies, mais on doit être humble. Est-ce que vous allez utiliser maintenant des journalistes pour la profiter? Bah, il y a d'abord, entre Bissot et Bissot. Oh, Katou, Fayou, l'autre, qui est 3000 dollars. Et pas Kabila. Bah, le cas Bissot et Bissot. Oh, Kati, bah, ton mousito, la dame, on a même un code. Ah, ce qui est auto Zambon, ce qui est pas Kabila. Bah, tu sois ton Zimbon, ce qui est pas Kabanani. Et non, 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 Lubumba, c'est pas. Comme on est sur la Katoumbi. Alors, c'est quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Parce qu'il sait que Azam 17 la question là c'est quoi ça dit peuple c'est peuple que faut merci beaucoup Ndeko mon amboka Ndeko Joseph Mbenza élection 2023 au candidat pour coma il y a opposition vous pensez que qui peut faire face à Félix Tshisekedi parmi d'abord Félix il représente d'abord on a corrigé sur le plan scientifique là j'invoque le professeur Émile Bongeli parmi les meilleurs en sociologie politique. Mmh. Je ne suis pas en politique, au moins. Hein? C'est un saint homme scientifique. Toi, tu es le niveau de Bongeli. C'est lui qui m'a enseigné la sociologie. Tu as aussi le cas avancé. Oh, oh, oh. Donc, tu es le bangan dans le bâté. Vanda calme. Je comprends ta réflexion. Malembe. D'abord, ce que tu as dit, c'est faux. Il y a ce qu'on appelle le discours en sociologie politique. On dit ceci. Le discours politique est le tendon d'Achille d'un dirigeant politique. Dans la constance, dans la cohérence, c'est ce qui sous-tend un leader. Mais tenez, la coalition, la Mouka, n'ira pas aux élections et ne présentera pas de candidatures à tous les niveaux. Moi, je n'ai pas demandé à mes gars de ne pas les déposer. Ça, c'est un leader. Premier éloquent. Deuxième fait. Histoire politique à Congo, il ne le maîtrise pas. Parmi les 13 parlementaires, Étienne Tshisekedi est dedans. Un acteur majeur. Après, 13 parlementaires, il y a ce qu'on appelle les cofondateurs de l'IDPS. Tu ne connais pas l'histoire politique. Malembe, monsieur. Il n'était pas l'initiateur de la classe de l'IDPS. Malembe. Monsieur, tu es nul. Il est venu avec les Kiungwa. Attendez. Tu ne maîtrises pas l'IDPS, tu ne connais même pas. Un autre fait. Tu parles de Lumumba, tu l'associes à Martin Fayulu. C'est une insulte à l'histoire politique du Congo. Une insulte. Lumumba a été connu pendant son combat, pendant son vivant. Malembe, tu en as un problème. Tokeri, le monsieur de cette Kikuni, bon, je comprends. Un ménifretin parmi les grands qui veut se faire grand. Il faut dire ce que tu dis là. On ne dit pas je représente tout peuple parce que c'est un concept en Sciences Po. Donc si je te dis sur la science politique, au définir en haut, tu ne sauras pas. Donc, il n'y a personne qui peut se prévaloir à représenter un peuple. Parce que c'est un concept en Sciences Po. Il faut être humble dans ta prise de parole. Madame, ayez-vous même pas notion et à principe, il y a libre administration des provinces.
Là, ce monsieur m'a dit, Vemba n'a pas quitté parce que Félix a donné injonction. Et ça, question à géopolitique régionale, parce que ils en a battu à côté Oyo, parce que il y a des districts, il y a la cataracte. Laissez-le finir. Oui, c'est le côté de la politique, monsieur. Je me suis dit, monsieur Vemba devait se délecter pour laisser la place au bas fleuve, pour faire l'équilibre de la Congo centrale. Parce que tu ne peux pas gérer la République si tu ne tiens pas compte de la géopolitique. C'est ça l'intelligence en politique. Fais l'évangile, le fils du diable, le menteur. Madame, madame, disons le clair, disons le bien. Madame, il y a 24 candidats, un de l'Union sacrée, les restes sont de l'opposition. Je vais te dire ceci. Martin Fayulu, je le confirme, nous étions là. Lui n'était pas là. Martin Fayulu, il est le produit de la fabrication, il y a un laboratoire, il y a Genève. Tout à fait. Il a été ce qu'il est parce que même tant que Bazalaki, c'était un leader de second rang. Même aussi, il y a un gaz pour les cailles. Vous comprenez? Quand on l'a porté là, par ses collègues-là, Martin Fayulu ne représentait rien parce qu'il est ingrat. Parce que même ma chaîne, où il y a sali ma campagne, ma PC au Félé, les gens l'ont soutenu. Pourquoi on a pris les leaders de second rang? Je suis en train de te coiffer. Vous dites, mon Félix, tu sais qu'il dit. Là, je dis à mon frère, la fondation d'un État, quelqu'un qui vient. Il fait éduquer par le respect de la Constitution, article 43, 6 millions d'enfants, l'équivalent du Congo-Brazzaville, budget annuel 2 milliards. Vous avez la niveauté. Madame, il vient, il met en place la couverture santé universelle. Aujourd'hui, toutes les femmes dans les 300 centres de santé répertoriés, parce que vous avez ma consultation prénatale gratuite, échographie et tout, accouchement, césarienne ou pas, gratuit et puis. Soit à moi après pour réduire le taux et la mortalité de la mère et de l'enfant. C'est le même président de la République. Ça, on appelle ça la fondation d'un État fort. Parce que selon le programme Yapunut, indice et développement humain, il faut partir par l'éducation et la santé. Tout à fait. Aujourd'hui, avec le programme, il y a 145 territoires. 1210 écoles construites. Sont en train d'être construites. Merci, ça, madame, il a pris cette. Un territoire à 10 millions de dollars. Mais soit discipliné, madame, je le dis. 10 km. Je le dis aujourd'hui, aujourd'hui, allez partout en République démocratique du Congo. Il n'y a personne qui battra Félix. Très bien. Nathanaël, vous avez suivi le discours de Martin Fayulu sur la question il y a candidat. Comment est-ce que vous êtes d'accord avec lui que Bisounionso et Sengebo Sangana Simanaye pour que vous puissiez Maboko pour battre le pouvoir en place? Bon, vous savez, tous ce sont des acteurs politiques. Et nous, ici, nous sommes en train d'entamer une démarche de la candidature commune et non une candidature unique. De peur que ce soit unique. La candidature commune, c'est-à-dire la volonté sera commune. Il y aura plusieurs volontés, on va s'aligner derrière une personne. Nous, nous allons choisir sur base des profils. Et je vous ai cité les 6 personnes. J'ai cité Fayulu, j'ai cité Matata, j'ai cité Sesanga, j'ai cité Diongo, j'ai cité Katumbi, j'ai cité Kikuni. Ces personnes seront réunies pour nous faire sortir un bon profil. Pourquoi pas Mukwege? D'ailleurs, merci parce que j'avais cité dans ma première allocution et docteur Mukwege, les 7, voilà, les 7 en question. Ces personnes vont se réunir pour sortir un bon profil. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, M. Kikuni l'a dit, je souhaite que ce soit moi, comme Martin Fayulu l'a dit aussi, comme les autres peuvent le dire. Mais autour d'une table, on va regarder qui répond à un bon profil pour amener notre pays dans le salut éternel. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de... Il dit personne ne va battre Félix Antoine Tshisekedi. Mais maman, tout réfléchir. Yo mona wapi, mutazo bang élection te. Babi mis sa liste définitive. Il y a un candidat à la veille. Il y a campagne. Té, ndé konanga eriti soit kazalara na dynamique de l'opposition. Ndé kotan yo zaga dynamique de l'opposition. Olinga ko ndima pené loko ané salema à la veille. Donc lobby campagne, le wal mis liste définitive, il y a un candidat. Ceux qui font tous un patriote, est-ce que l'Okoane est anormal? C'est pour vous dire que M. Tshisekedi a tellement peur d'y voir une candidature commune comme pas possible. Parce qu'il sait que dans l'opposition d'aujourd'hui, cette opposition a plus de valeur que 2018. Cette opposition a un discours plus que 2018. Mais vous allez vous réunir autour des idées, autour de personnes, autour de programmes, autour de quoi en fait? Nous allons nous réunir autour des profils. Quand je parle de profils, je vois l'intégrité, je vois les projets, je vois la vision, je vois tout ce qui va avec. Pas autour de personnes. Ce n'est pas parce que tu as une bonne tête, ce n'est pas parce que tu as une belle taille qu'on va te choisir. Non. Quand on dit profil, on regarde toutes ces choses. C'est-à-dire, c'est une personne intègre, c'est une personne
âgée de tel, de tel, de tel. C'est une personne qui a un bon projet, c'est une personne qui a une bonne vision. Et nous regardons que cette personne, nous portons nos voix. Ce n'est pas parce qu'il est plus que nous. Non, c'est parce qu'il répond exactement au profil que notre entreprise très bien. Recherche. Merci beaucoup de Eric Tshwaka Tosili Sabandeko technique Bolimbi Sabiso ngonga mukika Tosili Sabandeko Eric Tshwaka votre mot par rapport sacrifié vous sacrifiez nga na pension maloba mutasu comme wana suka azora toujours belé l'élection 2023 apparemment sur le plan technique c'est impossible d'avoir les élections en décembre 2023 ma candidature est allée émission lorsque un homme de Dieu traite un homme politique qui veut nous intégrer la notion du genre, c'est tout à fait normal qu'il soit pasteur ou pas pasteur de les traiter d'un des mots. Puisque la notion du genre, ce n'est pas simplement l'homosexualité entre homme et homme, femme et femme, mais vous pouvez aller au niveau même de la bestialité. Alors nous, avec la culture africaine, avec l'image de l'Afrique, nous ne pouvons pas accepter des notions de démons sur nos territoires. Okay. Il est évident, le pasteur est là. S'il veut que Mukwege devient son homme, donc il va me dire ici que non, Nzimi Nanga qui est né Nazawa. Non, mais la notion déjà signifie l'homosexualité. Ça, c'est quelle imbécilité. Je l'ai laissé parler ici. L'imbécilité n'a pas tort, monsieur. Mais la notion déjà signifie l'homosexuel. Un pasteur qui insulte. Donc j'ai dit, c'est si la notion déjà signifie. Il faut qu'il retire ça. Signifie l'homosexualité. Il faut qu'il retire. Est-ce qu'il y a un imbécile ici sur le plateau? Non, je n'ai pas dit qu'il y a un imbécile. Ça, c'est un raisonnement terre à terre, frère. Félix a parlé de la promotion de l'homosexualité. S'il vous plaît, retirez ça. S'il vous plaît. Je retire. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Ndeko Eric. La notion de la promotion déjà. Vous n'avez pas la parole, mon Amboka. Ndeko Eric aussi dit ça. Un pasteur indiscipliné. Vous savez, l'éthique et la déontologie ne me permet pas de répondre aux érudits et aux réflexions bestiales, puisqu'il prouve à ce visage que Moukoué peut sortir. Démontrer que la notion déjà signifie l'homosexuel. Toi qui es intellectuel, nous sommes à la télévision. Parce que Félix a parlé de la notion de la promotion des gens le 20 septembre 2022 devant les tribunes des Nations Unies. C'est-à-dire parler de l'homosexualité. Ça, c'est ridicule. S'il vous plaît, Ndeko Eric, c'est ça aussi, cette mission. S'il vous plaît. J'étais très calme quand il parlait. J'ai dit ici, tout Congolais sérieux. Ah, il y a Albi Bouzouba. Tout Congolais sérieux connaît que lorsque nous parlons de la notion du genre, monsieur, il faut faire des recherches. Je crois que j'ai compris. Que je ne peux pas être démontré, on est à la télévision. J'ai juste compris. Mais c'est qu'est-ce que les niveaux... Démontrer que les la notion déjà signifie l'homosexualité. J'ai juste compris que le niveau de votre réflexion est tellement... La notion déjà c'est l'égalité, monsieur. À telle enseigne que... Des hommes et des femmes dans la société. À telle enseigne que... Ce n'est pas l'homosexualité, ça c'est l'imbécilité, à votre niveau. Ça c'est l'ignorance. Nous ne pouvions pas. Nous ne pouvions pas, nous. Tous les intellectuels... Mais c'est un fugitif, hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un fugitif de signal. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Ndeko. Tous les Congolais, tous les scientifiques vont vous le dire. Je crois qu'il faut faire beaucoup de recherches. Il faut beaucoup lire. Lorsqu'on parle de la notion du genre, on parle de l'égalité sexuelle. C'est-à-dire, monsieur, quand on dit l'égalité sexuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui un homme veut sortir avec un autre homme. Non, déjà, c'est une réalité de sexualité. Je parle de l'égalité. Félix Salomé, on a nationalisé le 20 septembre 2022. C'est la fin de l'émission. Au revoir.